Yes! Yes! Un imbécile! Et c'est quoi où là? En tout cas, t'as cela, messienne. Je vais te faire boire la mer rouge dans cette maison. Les femmes pensent que elles ont le monopole du savoir et de l'intelligence. Voilà. Ils viennent la manipuler. Je te donne 2 mois pour que tu quittes ta femme. Je vais quitter ma femme pour toi que tu quittes. Ma femme reste ma femme. Et puis même, il doit aller laver les habits chez elle, habiter chez elle. Après, donc on m'appelle ambassadeur. Tu rêves. Quitte ma femme. Maintenant donc, comme vous pensez que vous êtes donc les femmes autoritaires, comme tu as dit que femme autoritaire, je vais vous manipuler, donc je vais vous malaxer. Mais une chose est certaine, c'est que ma femme va rester toujours à la maison. Et toi, tu vas toujours rester le deuxième bureau. Tu es condamné à rester le deuxième bureau. Un point, un trait. Voilà que j'étais composé. Les larmes de crocodile, je me suis mis à genoux. Voici mes genoux ici, j'ai seulement nettoyé. Et je suis déjà propre. Maintenant même, je peux me lancer à la recherche du troisième bureau. Femme autoritaire. Je suis déjà au boulot. Et Selemba, je dis que je suis déjà au boulot. Ça, c'est même quoi avec cette histoire de réseau là? Allô? Ah, Prési? Allô, tu m'entends? Ah, ok. C'est comment? Je suis déjà au boulot. Donc, je t'ai raté de justesse. Gars. C'est grave, j'étais chez toi. J'ai dit à maman, tu respires même encore. Et pourquoi? Tu me demandes pourquoi, comment? J'ai trouvé ta belle soeur chez toi. Elle vous même encore respirer à et toi. Ah, et Selemba, je vais encore faire comment? Je vais faire comment? Tu peux pas savoir comment la femme là me tensionne. Elle sait toutes les femmes avec des belles soeurs comme celle-là. Elle aussi, elle s'ajoute. Elle dit, je ne sais plus quoi faire, je ne sais même plus quoi dire, Selemba. Ah, je vais faire comment? Tu vas faire comment? Tu ne peux pas la chasser de chez toi. C'est même devenu une histoire de quoi? Ah, comme toi, tu es au boulot, je vais te laisser tranquille, je ne vais pas te déranger alors. Ok, d'accord, bye.
et des gens qui sont jaloux de notre couple. Mes oreilles. Couple, couple. C'est aujourd'hui que tu connais que tu es en couple. C'est aujourd'hui que tu sais que tu es en couple, Mbouta. Tu te moques de toi-même. Maman, ça serait même ton estomac. C'est moi qui prépare ici. C'est moi qui fais la lessive. C'est moi qui fais la vaisselle. Est-ce qu'il y a une autre preuve d'amour? Ouais. Si tu savais que si tu pouvais même accoucher, c'est que tu vas porter les grossesses dans cette maison, ce que tu connais pas. Bah, tu ne fais encore rien. Mais c'est une preuve d'amour donc, tout ce que je fais là. Une gaspilleuse de vie comme ça arrive et vous êtes en train de croire ce qu'elle a dit. Pourquoi elle n'a pas dit ça au voisin? Pourquoi elle ne s'est pas arrêtée en route pour pointer n'importe quel homme? Pourquoi ce n'est que toi? Maman, il faut aussi. Quoi que vous. Tu ne me supportes pas dans tout ça. Je suis sorti des entrailles de qui? Quand c'est elle a raison. Une gaspilleuse de vie arrive de dehors, elle a raison. Je suis quoi dans ça? Je ne le connais pas cette fille. Tu veux que ta mère supporte le faux? Maman, mon amour ne souffre d'aucune contestation. Et maintenant, là, est-ce que je dois subir toutes ces souffrances-là? Tu n'as même encore rien vu. Dorénavant, ta place, c'est à la cuisine. Plus au salon. Tu viens ici seulement quand j'ai besoin de toi, quand je t'appelle ou j'ai besoin de tes services. Tu as compris? Ok. C'est plus ici. Ok. Et Selemba, tu viens fort, hein? Même pas un mois, elle débarque chez moi sans même me téléphoner. Non. Je dois mettre les points sur les i. Et celui d'Apicori m'appelle au mauvais moment. De toutes les façons, je vais gérer celui-là après. Ma femme me menace, mais pas Apicoro. Apicoro ne peut pas me menacer. Ah oui. Les filles sont très fortes ici dehors. Ça veut dire qu'elles me guettaient depuis. Elles bondissent sur l'occasion jusqu'à venir chez moi. Elles veulent même... Elle a envie de me boire, elle voulait même boire quoi, je sais, quoi la tasse. Elle veut me boire, elle est courageuse, elle pourrait faire comment ici, au canapé ou bien où. Ok. Les filles sont fortes ici. Elle dit qu'elle veut me boire. Comme les blagues, hein. Non, je dois mettre les points sur les i. Ça, c'est vrai. Parce que là, elle vient très fort. Zamba, sois au moins douce. Ne prends pas les décisions comme ça, ma fille. Ah. Ok. Il ne faut pas regretter après. Tu as compris, non? Ne regrette pas après. Regretter? Je connais qui est ton fils. Je peux regretter. Donc, même si je baisse sa tête, je ne peux pas regretter. Mbouta, peut-être tu es. Maman, le problème même, c'est que un homme, c'est un homme. Une femme, c'est une femme. Comment on peut dire qu'un homme, sa place est à la cuisine et la femme dit que sa place est au salon? Dans ma maison, on m'envoie à la cuisine et puis maintenant, elle est au salon. Et toi, tu acceptes ce genre de choses-là? Mbouta. Mbouta. Ta place est à la cuisine. Tu ne comprends pas quoi? Hein? Tu n'as pas compris à quel niveau? C'est quel mot? Tu viens ici au salon seulement si et seulement si j'ai besoin de tes services. C'est clair? Maman, il faut que tu arranges cette situation. Si vous ne voulez pas avoir un cadavre ici, je vous dis, il faut arranger, je te dis, il faut arranger cette situation-là. C'est moi qui te demande d'être infidèle. Je ne suis pas infidèle. Je n'ai même pas la tête à travailler. Je vais même signer un papier qu'il ne faut même pas signer ici. Je ne sais pas ce que les hommes veulent. Je ne sais pas. Vas-y, Anthony me fait souffrir parce que j'ai même trop fait quoi de mal. Vas-y, tu donnes tout à l'homme, mais jusque-là, je t'aime, je t'aime. Le même je t'aime qui te dit à la maison, c'est le même je t'aime qui part dit dehors.
D'autres ont même la diarrhée à minuit parce qu'il faut aller répondre aux messages dans les toilettes. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Et ce que les hommes oublient, c'est que c'est grâce aux femmes, hein, grâce à nous les femmes, qu'ils existent même. Quand tu donnes à celui-là l'amour maternel, on leur donne vie. Ensuite, même ils nous épousent pour nous faire ce que je vis ici. En tout cas, je n'ai pas pu travailler. Parce que je ne sais pas ce qui m'attend à la maison quand je vais rentrer tout à l'heure là. Comme il a grimpé sur les échelons de... C'est moi qui te demande d'être infidèle. Puisqu'il me demande d'arranger cette situation avec un homme. Il faut arranger cette situation. Tu me fais pitié. Ha! Regarde-toi. Regarde-toi. Toi, Mbouta, tu fais souffrir les filles ici dehors. Ha! En tout cas, plus moi, Céleste, que tu vois ici. Plus moi. Tu as des questions pour moi. Dorénavant, ce que tu faisais avant, là, c'est terminé. La souffrance que tu m'infligeais à l'époque est terminée. Maintenant que moi, Céleste, je suis femme autoritaire. Mbouta, je vais te... Je m'abstiens. Yes. Je suis même chrétienne. Yes. Je vais même avouer que je t'aime trop. Sinon, je t'aurais déjà tué. Mbouta, je te dis. Si. Toi qui supporte tout. Si. Je viens d'être à genoux là pour dire que pardon, mon amour. Après avoir fait quoi? Tu te mets à genoux pourquoi? Tu penses que c'est toi, Mbouta, que je connais. Si tu ne te reprochais de rien, tu allais te mettre à genoux. C'est par amour que je me suis mise à genoux. Quel amour? Maman, comme j'ai dit là, je ne peux plus jamais être l'esclave de Mbouta dans cette maison. Voilà ce que je dis. N'arrange donc pas, il y aura un cadavre. J'ai dit plus moi, Mbouta, je ne suis pas dedans. Qui a touché? Christelle! Oui, maman. Viens. Qui a touché? Maman, il a retrouvé ma femme. Et j'ai pas la sortie. C'est pas moi qui a touché. Qui est donc venu toucher? C'est pas toi qui a touché. Et qui est donc venu entrer dans ma marmite? Ton singleton de père. Il va venir ici. Il va me trouver ici, là, aujourd'hui, là. Je prends la peine de préparer ma nourriture. Il vient se servir comme il en a besoin. Il va me trouver ici. Ah, de ces trois choses, l'une, ou je suis fou, ou Anthony me prend pour un fou, ou bien je sors d'un fou. À force de penser à Anthony, je commence déjà à avoir faim. Franchement, j'ai faim. Non, blague à part, j'ai faim. Il faut que je cherche là, je peux frapper 1000 francs. Je dois chercher là, je peux frapper au moins 1000 francs pour manger aujourd'hui parce que là, j'ai vraiment faim. Il faut que mon cerveau travaille. La vie est devenue dure, hein? Les lofombo que nous avons mangé à 25, c'est déjà 200. Non. Mon cerveau aussi doit travailler, je dois chercher là, je dois avoir au moins 1000 francs pour manger aujourd'hui. Yeah.
Les hommes. Je suis allée chercher quoi là-bas? Je suis allée porter la honte de ma vie. Les hommes. Mbouta m'a ignoré devant sa femme. Moi, sa pipi. Quand cela ne tienne, Mbouta, je veux te montrer où je suis une femme autoritaire, où je ne suis pas. Qui dit femme autoritaire? Dis Sakula. Je vais te. Je veux te. Je veux te craser, Mbouta. Je veux te. Je veux te malaxer. Je veux te. Je sais pas. Cela me coûte pour que je mange bien. Je ne dois pas rester comme un enfant chez moi. Maintenant, j'ai les crampes d'estomac. Prête à pleurer. Non, il n'est pas là. Je ne dois même pas pleurer. Il va m'entendre passer dans cette maison. Ah, enfin, je dois laisser mes classes partout où besoin sera. D'ailleurs, je suis fier de mon travail. Je suis vraiment fier de mon travail. En tout cas, je suis fonctionnaire. Je suis fonctionnaire. Parce que faire du Congossa, c'est aussi une fonction. Donc, je suis fonctionnaire. Fonctionnaire. Si Judas n'avait pas trahi Jésus, le monde ne serait pas sauvé aujourd'hui. Donc, le Congo, ça, c'est aussi un travail. Je suis fonctionnaire. Je fonctionne. Je le dis et je le redis. Je ne fais que faire mon travail. Je suis fier. Ce que femme désire, l'homme accomplit. Ainsi va la vie. Yes, enfin. J'espère qu'il va seulement prendre mes appels. Oui, allô, bébé, bonjour. Ça ne va pas. C'est pour ça que je t'ai pas fait signe parce que j'avais le petit malaise là qui me dérangeait. Je sais que tu es fâchée, on va se rattraper, te fâche pas. Non, fais pas te fâcher. Ok. Non, quand on va se voir, je vais te dire tout ce qui m'est arrivé. Ok. Prouve-moi alors que tu peux fâcher, envoie-moi un bisou. Ok, merci beaucoup. Et à tout à l'heure. Mais avant, Mbouta va me sentir. Bonjour, mon amour. Toi ici, Mbouta, tu me veux quoi? Tu me veux quoi, Mbouta? Chérie, je suis venu te voir. Tu me parles d'un sorcier. Ce n'est pas la sorcellerie, ça. Je ne suis pas sorcier, je suis amoureux. Je sais que je t'ai fait honte tout à l'heure, mais il faut comprendre qu'il fallait jouer le jeu là. Pour qu'on mette la sorcière là, parce que c'est elle la sorcière, et pour que notre amour continue donc. Mbouta, tu as 5 petites secondes pour te mettre hors de mon portail. Sinon tu vas voir, c'est que je veux te...
Je veux dire... Chérie, comment tu ne peux pas comprendre que c'est un jeu qu'on jouait et je voulais juste que tu puisses la mettre de côté. La preuve, c'est que me voici. Est-ce que je suis donc là-bas? Je demande de me mettre hors de mon portail. Je me mets hors du portail comment? Bonjour chérie. Bonjour chérie. Ça va? Un tout petit. Ok, moi j'ai juste profité de l'absence de mon patron qui a voyagé. Il dit que là il faut que je rentre retrouver mon épouse pour passer une journée en amoureux. Amoureux tu dis? Ben oui. Ça te plaît pas? Non, ça va, ça va. Dis plutôt que... Que quoi? Non, ça va, ça va. Es-tu sûr que ça va? Ça va chérie, ça va. J'ai juste mal à la tête, mais ça va aller. Maintenant, ça n'a pas l'air d'aller parce que je dis qu'il faut que je profite de la journée qui est libre pour moi pour passer une belle journée en amoureux de mon épouse. Ça va aller. C'est juste la tête qui fait mal, mais ça va aller, je te promets. Ça va? Ok, on va. Tu dis que tu sors! Je ne peux pas vivre sans toi. Ah, de mon portail! Tu me mets à genoux. Ça peut te faire plaisir. Tu me mets à genoux. Je te dis que j'ai fait ça parce qu'il fallait jouer le jeu. Et toi, tu sais que c'est comme ça que les choses là se passent. Pardonne-moi. Avec tout ce que tu m'as fait avoir, honte là devant ta femme. Je t'aime, Pipi. Comprends-moi. Je ne peux pas vivre sans toi. Et ta femme alors? Je parle de nous deux. Je t'aime. Je vais te donner tout ce dont tu as besoin. Mon brout à moi, il n'y a pas de souci, pas de problème. Mais j'ai juste trois toutes petites choses à te dire. Un, tu viens habiter avec moi. De deux, tu me mets la bague au doigt. Et trois, tu assumes tout à la maison. Il n'y a pas de problème. C'est clair? Il n'y a pas de problème. Ok. Même s'il fallait que j'aille déclencher une guerre contre un pays pour toi, je le ferai, il n'y a pas de problème. D'accord, il n'y a pas de souci. Je suis d'accord. Lève-toi donc et viens. Après, nous sommes en train de parler. Bouta est déjà parti. Bouta, allez où? Maman, pardon, si tu n'as rien à me demander, laisse-moi, s'il te plaît. Ne sais pas là où il est parti. Célestine, je vais te dire quelque chose. Les hommes sont comme des enfants. Tu as trop parlé et je crois qu'il a compris. Fais très attention. Il parlait se jeter entre les mains d'une jeune femme. Qui? Bouta. Hey, maman, tu m'amuses. L'opéra là. Ne vois pas la gueule comme Bouta fait ici. Je le tiens ici. Il va faire ça où? À qui? Ok. Mais fais très attention. Parce que je connais ce que c'est que les hommes. Ok. Merci pour le conseil, j'ai compris. Je parle aussi, c'est maman. Donne ma part de conseil avant que tu ne comprennes. Le bon monsieur ne vient plus passer midi à la maison. Donc il veut me pourrir la vie. Ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. Pas après tout ce que j'ai fait. Si j'ai souffert pour avoir ce que j'ai aujourd'hui, je ne peux pas me laisser faire. Le peu qui en reste là, je ferai tout pour sauvegarder. Je ne peux pas. Et c'est le bâtiment un peu. Tu es folle? Il y a quoi? Tu es venu faire quoi chez moi? Mais je voudrais te voir, non?
Il y a quel mal à ça? Il n'y a pas de mal à ça. Il n'y a pas de mal. Tu ne vois pas de mal. Il y a quel mal à ça? Il y a quel mal à ça? Il n'y a pas de mal à ça. Et qui? Je te dis, ne viens plus jamais à la maison. Plus jamais. Ne viens plus jamais à la maison. Ok, j'ai compris. Mais si toi tu ne veux plus que je vienne là-bas, promets-moi aussi de venir ici tous les jours. Là, tu me promets aussi de venir ici tous les jours. Je ne vais plus venir chez toi. Viens t'asseoir. Assieds-toi là ici. Merci chérie. Merci vraiment. Je ferai tout ce que tu veux. Je te donnerai tout ce dont tu as besoin. Mais pourvu que moi j'ai ton amour, parce que je suis fortement amoureux de toi. Ok. Je te donne 2 mois. Je dis 2 mois. Pour régler la situation de chez toi. Deux mois que je vais rester pendant 2 mois encore pour que c'est le suicide. Donne-moi 2 semaines, je résous le problème. Je dis 2 mois, pas plus, pas moins, c'est 2 mois. Mais il fallait plutôt me dire ça. Il fallait plutôt me dire ça. Hein? Je te promets donc que je serai là tous les jours. Si tu promets donc de venir ici tous les jours, moi je vais plus venir là-bas. Si tu me promets de venir ici tous les jours, je ne viendrai plus chez toi te déranger ou t'importuner. Ok, c'est promis. Tu vas venir tous les jours. C'est promis. Quand j'aurai toujours besoin de toi, tu viens. J'ai dit c'est promis. L'essentiel, c'est que tu ne viennes plus à la maison. Ok, moi j'ai pris une note. Mais il faut aussi faire ce que tu es en train de promettre. Il ne faut pas seulement accepter comme ça pour accepter. Parce que si tu ne fais pas ce que tu es en train de promettre là maintenant, je vais souvent venir. Et comme ça là, tout ce qui va arriver, va arriver. Je te promets. Je te promets. Ok? D'accord, j'ai compris. Tout ce que tu voudras, je le ferai. Et 2 mois, c'est une longue période. Je te demande seulement de me donner 2 semaines. Je chasse cette sorcière là qui a pourri ma vie. Et qui nous empêche de nous aimer. Tu comprends, non, chérie? Ça, c'est ton problème, mais je te l'ai dit. C'est comme ça. Chérie, donne-moi juste 2 semaines. Merci beaucoup. Je m'en vais de ce pas de penser la 3e guerre mondiale. Je n'avais pas grand chose à faire aujourd'hui. Mmh. Et Selemba était ici. Elle m'a appelé, elle est arrivée là au boulot. C'était par rapport à la réunion. Et pourtant, elle pouvait venir là-bas directement. Hein. Je n'aime pas quand tes amis viennent ici et que tu n'es pas là. Je m'aime pas. Tu m'aimes trop. Toi qui choisis déjà mes amis. Tu m'aimes beaucoup. Chérie, je me sens bien chez toi. Ah bon? Je me sens bien. Mais viens nous habiter ici. Habiter ici, c'est une question de vous. Tu m'as donné 2 mois, mais je t'ai dit 2 semaines. Je vais renvoyer l'autre qui est à la maison, là, la sorcière qui est à la maison, et je viendrai ici pour te utiliser tout le monde. Parce que ici, là, je sens que c'est le paradis. Les autres pensent que le paradis sur le ciel, mais mon paradis sur le ciel. Je suis très très contente, chérie. Ce sera la meilleure des choses qui puissent m'arriver. Je peux pas comprendre que tu laisses ta femme le matin, tout va bien. Tu rentres quelques heures après, ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne doit pas tourner très rond. Quoi donc, j'en sais rien.
Après, on va dire que le Cameroun ne se porte pas bien. Ah. Viens, donne-moi une bière. Je suis avec un grand. Ah. Cristallor. C'est lui qui paie, hein. Les capsules. Ah, bonjour mon frère. Bonjour. À la santé. Espérons que tout va bien. Ce n'est quand même pas écrit sur mon visage que tout va mal. Ok, bon, on s'est tout dit. Hein. Maintenant, je dois rentrer. Ok, tu dois rentrer maintenant. Oui. Mais reste encore un peu, non? Non, non, non. Je serai là demain. Non. Serai là demain, toi. Non. Tu es trop gourmand, toi. Tu es trop gourmand. Je rentre maintenant. Je serai là demain. Tu es sûr de ce que tu dis? Oui. Ben, si tu viens alors demain, tu viens à 7 et tu rentres à 18 heures. Il n'y a pas de problème. Je sais déjà que tu es gourmande. Je serai là le matin. Je vais rentrer à 18 heures, comme tu dis. D'accord. Je vais bien. Quelques petits soucis, certes, mais ça va. Quelques petits soucis. Comme quoi, tu sais, je suis ton frère. Tu peux parler. Tu peux te confier à moi si tu as un problème. Donc, les conseils, je les donne gratuitement. Je t'ai dit tantôt que ça va. Ça va. Ok. Buvons la bière. Apparemment, vu tes interrogations, tu dois avoir quelque chose à me dire. Hein? Je n'ai rien à dire, mon frère. Que dès que j'ai fini ma bière, si tu veux doubler, tu doubles. Moi, je n'ai pas de soucis. Hein? Quoi? Ne me pose plus jamais une pareille question un jour. Plus jamais. C'est déjà devenu comment dans la maison. Je n'ai plus le droit de te poser des questions. Est-ce que je n'ai plus le droit de te poser des questions? Ferme-la, ok? J'ai dit ça. Tu pleures quoi? Il faut me laisser tranquille. Il faut me laisser tranquille. Ok. Tu es folle. Moi, je voulais juste t'aider. Ne m'aide plus. Ne m'aide plus où tu es là. Laisse pas tranquille. Il faut me laisser tranquille. Ça va. En tout cas, qu'à cela ne sienne. Je vais te faire boire la mer rouge dans cette maison. Les femmes pensent qu'elles ont le monopole du savoir et de l'intelligence. Voilà. Ils viennent la manipuler. Je te donne 2 mois pour que tu quittes ta femme. Je vais quitter ma femme pour toi que tu es qui? Ma femme reste ma femme. Et puis même, il doit aller laver les habits chez elle, habiter chez elle. Après, donc on m'appelle ambassadeur. Tu rêves. Quitte ma femme. Maintenant donc, comme vous pensez que vous êtes donc les femmes autoritaires, comme tu as dit que femme autoritaire, je vais vous manipuler, donc je vais vous malaxer. Mais une chose est certaine, c'est que ma femme va rester toujours à la maison. Et toi, tu vas toujours rester le deuxième bureau. Tu es condamné à rester le deuxième bureau. Un point, un trait. Voilà que j'étais composé.
les larmes de crocodile, je me suis mise à genoux. Voici mes genoux ici, j'ai seulement nettoyé et je suis déjà propre. Maintenant même, je peux me lancer à la recherche du troisième bureau. Donc... Il est venu me prouver chez moi. Je ne fais pas le tapé d'eau. Je me vante. Je vais te crêter. Je vais te sucer comme une orange. Je vais te presser. Je vais te jeter dans les bacs ordures. Ouais, Yenda. Je ne me vante pas. Je t'attends. Tu vas venir me couver ici. Et tu m'apprêtes une tenue pour demain matin. Là. Je m'en moque des pleurs. Tu vas aller où? Tu travailles déjà? Toi, je t'ai déjà dit que je te dois beaucoup de respect parce que tu es ma grande sœur. La première fois, je t'ai pardonné. Voici la dernière fois que je te pardonne. Parce que je vais t'engager ici. Je vais t'allumer. Anthony, voici. Moi, je te dis. Essaye, Anthony. Comment je te dis? Essaye. Je vais t'allumer. Tu es un homme. Je te dis, ma vie. Tu es un homme. Comment je te dis là? Tu es déjà un homme. Il ne sait même pas. Comme je t'ai dit, je vais t'allumer. Anthony, tu veux que je déballe? Hein? Tu veux que je déballe? Boucle! Tu boucles ça! Boucle-moi ça! Vraiment? Je dis de boucler! Tu es déjà un homme, n'est-ce pas? Ok. Je charge mon revolver à balle blanche. Rien. J'ai tiré à balle réelle. Rien. Cette fille est une véritable vampire. Maintenant, je comprends beaucoup de choses. C'est-à-dire que je charge la piscine, l'eau finit. Je recharge la piscine, l'eau finit. Mon eau, une goutte ne sort plus. D'abord, tu vas foutre le camp bientôt. C'est terminé là. Tu vas voir, pédophile, bordel de ton état. En tout cas, il m'en brûle même pourquoi. Le remède de l'homme. C'est long. C'est pas ici chez moi, hein. Je dis bien, c'est pas ici chez moi. Hé, hey, maman, finalement, tu aimes de quel côté? Vous êtes tous mes deux enfants. Tu dis que le remède de l'homme, c'est l'homme. Ce n'est pas ici chez moi. Les dames, qu'est-ce qui est au menu aujourd'hui? Qu'est-ce que vous faites comme nourriture? C'est pas maman, ok. Tu es venu faire quoi ici? Vous demandez ce que vous désirez manger aujourd'hui. Ce n'est pas simple. Hé, Bouta, va à la cuisine. Va à la cuisine. Célestine, c'est toi qui es censée aller à la cuisine. Hey. Non, maman, laisse. Ouais. Laisse. Je suis chaud. Moi, je suis chaud. Ok. Commandez seulement. Je pars à la cuisine. Je vais vous faire manger. Commandez. Je suis chaud, maman, laisse.
Tu as eu la chance. Tu ne vas pas m'échapper un autre jour. Ok, je suis prêt. Ok, papa. Je suis un gars de l'heure, je vous fais à manger. Tu vas aller préparer? Oui. Ok, vas-y, allons à la cuisine. Vous avez commandé quoi? Prépare n'importe quoi, on va manger. Dans une heure, vous êtes servi. Toi, tu envoies qui à la cuisine? Tu dis à qui d'aller préparer? Toi! Moi! Maman, il voit quand même toi, tu blagues. Tu blagues, tes blagues sont vraiment de mauvais goût. Je ne crois pas que ce soit moi. C'est ma jumelle qui va aller préparer. Ce n'est pas moi, monsieur. Moi, Célestine. N'est pas une femme. Moi, Célestine, allant à la cuisine préparer. Ce ne sont pas mes 10 doigts si c'est ma jumelle qui ira vous faire manger. Je ne pense pas que ce soit moi. Enfin, tu rentres. Qui t'a permis, toi non pas, d'entrer dans ma cuisine et de toucher à ma nourriture? Qui te l'a permis? C'est à moi que tu t'adresses? Eh oui, c'est à toi. C'est à moi que tu parles? De quel droit? Quel sale barreau! On est où là? Je suis devenu un enfant chez moi et je peux en taper toutes. Seigneur Jésus! Tu n'importe quoi! Une saleté comme ça! Cafaron! Une saleté là! Sinon tu vas te mourir! Il y en a plus de 19 millions de femmes libres dehors! Et je peux m'en taper toutes! Qui va me secourir, mon Dieu? Mon Dieu! Cafaron! Seigneur, aide-moi! C'est devenu déjà une habitude dans la maison aussi. Maintenant, Anthony n'est plus jamais là. N'est plus jamais là. On dit, à la lueur, on voit les choses, je sens que je vais craquer dans la maison aussi. C'est que je... Je vais me faire quoi? Je vais me confier à qui? Je vais faire comment? Je vais faire comment avec le gars? C'est comme s'il a mangé les fesses du chien maintenant, que pour rester à la maison, c'est tout un problème. Faut que j'appelle les Selimba. Quel carrière que je peux me confier à qui d'autre? Allô? Salut Prési. Oui, Selimba, bonsoir. Salut Prési, c'est comment non? Ça va ou même tu ne vois pas à quelle heure je t'appelle? Est-ce qu'Anthony reste encore à la maison, Selimba? Anthony reste encore à la maison. Aujourd'hui alors c'est grave, il a battu le record. Il est d'abord sorti le matin à 7h, il est rentré au 7h à quelle heure? Il n'a même pas fait 2 minutes ici à la maison. Il est ressorti. Alors je t'appelle si je suis seule à la maison. Cette fois-ci, c'est comme s'il a seulement mangé les fesses du chien. Le gars ne reste même plus ici à la maison. Et je fais comment? Dis-moi un peu. Et Selimba, je fais comment? Mais Prési, quitte-le. C'est quoi? C'est le seul homme de ta vie. Mais tu es une belle femme, tu vas trouver un autre. Il y a quoi? C'est le seul homme que tu as dans ta vie. Ou bien qui va te regarder. Ah, Prési, n'exagère pas quand même. Tel qu'on te connaît, c'est pas toi qui dois souffrir comme ça derrière un homme. Les femmes, ils pensent qu'elles ont le monopole de l'intelligence. Qu'elle soit ma mère ou mon épouse, elle reste une femme. Elles proviennent de nos côtes. Et moi, je vais maintenant leur prouver que c'est moi l'intelligent. Je vais les malaxer. Papa. Elles ne savent même pas que moi, je suis donc maintenant allé demander pardon là-bas. L'autre vient, mais tu ne me connais pas. C'est devant ma femme et ma mère qu'ils devaient la reconnaître. Et bêtement, elle est aussi tombée dans le piège. Elle dit, ouais, j'ai compris alors comme tu t'es excusé. Maintenant donc, on va donc voir qui est qui. Je vais les malaxer. Elles vont confirmer. Jusqu'à envoyer même les nouvelles aux gens. Je n'ai pas demandé les commandes là. Vous mangez quoi? Vous mangez quoi? Restez là-bas. Vous ne savez pas quel coup je vous prépare. J'ai compris. Excuse-moi de te déranger dans la nuit comme ça avec mes problèmes. J'ai compris.
D'accord. Bye. Bonne soirée. Merci de m'écouter. Ah, quel soutien. Les amis sont faits pour ça. On est fait pour se soutenir. Je vais donc me confier à qui? Tu es ma seule amie. Je vais me confier à qui? Si je ne t'appelle pas, je fais comment? Bonne nuit. Bye bye. Bye. Ça va même aller de mal en sauce. Elle n'a encore rien vu. Elle n'est qu'au début. C'est ça même. Parce qu'elle aimait trop. Elle aimait trop Anthony. Elle le commandait comme un petit enfant. Maintenant, elle est là, ça va de mal en pire. Maintenant, elle néglige quelqu'un d'autre prend. Il protège. C'est déjà un problème. Ça va de mal en pire. Elle aimait trop Anthony là. Pour qui elle se prend même, ça va de mal en pire, ça va de mal en pire. Ça va même aller de pire en mal. Ce n'est que le début du commencement. Tu as quelque chose, tu n'arrives pas à protéger. Maintenant, quand quelqu'un d'autre va prendre des balayés à ranger, tu vas trouver que c'était utile pour toi. La qualité qu'elle commandait ce gars-là, maintenant elle est là, ça va de mal en pire, ça va de mal en pire. Elle se plaint partout, elle n'a encore rien vu. Les choses sont